Exposerai sur la cithare mon énigme.
De la lettre aux Éphésiens. Nous étions de nous-mêmes voués à la colère comme tous les autres, mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Tu parais, Jésus, lumière née de la lumière, et les mages t'apportent leur présent. Alléluia. Alléluia.
Paraît Jésus, lumière née de la lumière, et les mages t'apportent leur présent. Alléluia. Unis à tous les chrétiens dans une même louange, invoquons Dieu notre Père. Les hommes à qui tu donnes la vie, le mouvement et l'être, nous te supplions que chacun te découvre proche de lui. Père très saint, écoute tes enfants. Pour ceux qui cherchent ton visage, Dieu caché dans les beautés de la création, nous implorons ton secours. Conduis-les vers la lumière du Christ. Pour ceux qui te reconnaissent comme le Dieu unique et véritable, nous implorons ta bonté. Manifeste-leur ton amour. Père très saint, écoute tes enfants. Pour nous qui te confessons, Père de Jésus, notre Seigneur, nous implorons ta fidélité. Garde-nous dans la joie d'être tes fils. Pour nos frères défunts, qui ont cru en toi sur la terre, nous implorons ta pitié. Donne-leur de contempler ta gloire. Père très saint, écoute tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté.
Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu, puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre. Donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.